stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks. Et salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la présentation d'un nouveau bike sur la chaîne. C'est vrai que ces temps-ci, entre la pluie, les tempêtes, le mauvais temps, c'était assez difficile de trouver un créneau pour pouvoir faire une petite sortie vélo. Là, ça va, il y a une petite accalmie, bon, bien que ça fasse pas très chaud. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un bike. On est sur un vélo de la marque Van Power. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment incomparable par rapport à tout ce que j'ai pu vous présenter en termes de vélo sur la chaîne. Avant d'aller plus loin, bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Donc si vous ne voulez rien rater, on n'hésite pas à s'abonner, c'est gratuit. Et puis activer la petite cloche des notifications, bien sûr. J'ai mon téléphone avec moi puisque j'ai pris des petites notes. Alors comme d'hab, la vidéo se déroule en deux parties. Première partie, je vous parle des spécifications générales du vélo. Deuxième partie, on ira faire un ride avec. On est ici donc sur le modèle Urban Glide Ultra de la marque Van Power. Alors déjà, niveau design, bon, vous le voyez clairement ici, il n'est pas sur son terrain. On est vraiment sur un vélo de ville. Alors bon, sur des chemins comme ça, ça passe, hein, tranquille. Hein. Encore pour peu que ce ne soit pas mouillé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est bien mouillé. On a des pneus qui ne sont pas crantés, vous le voyez, c'est des pneus spécial ville. De toute façon, c'est un vélo dédié à l'urbain et pas autre chose. On est sur une couleur gunmetal blue et franchement, il est juste magnifique. Il est vraiment, je le trouve de toute beauté de cette couleur. Petite couleur métallisée et tout, franchement, il claque. Vous le voyez, on a des suspensions à l'avant. Alors, suspension à l'avant, pas de suspension à l'arrière. Ici, on est sur des suspensions hydrauliques. Des suspensions, bien sûr, que vous allez pouvoir régler, hein, qui font très bien le taf, qui vont venir absorber les chocs. En restant dans les suspensions, on en a une également sous la tige de selle, donc qui fait très bien son taf, pareil. Frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière, hydraulique, s'il vous plaît. On est sur des pneus de la marque Kenda, des pneus qui vont faire 27,5 pouces. Alors, j'aurais tendance à dire que le standard sur un vélo type classique, ça va être 26 pouces. Donc ici, on est un petit peu plus gros que la moyenne. Feu à l'avant, feu à l'arrière. Alors le feu à l'arrière a l'air comme ça d'un simple réflecteur. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment un feu. Il est totalement dépendant de la batterie. D'ailleurs, le câble est plutôt bien fait puisqu'il passe le long du porte-bagages, en dessous du garde-boue. Enfin, vraiment, on voit quasiment rien, les mecs. Le câblage est vraiment nickel sur le vélo. Garde-boue à l'arrière, garde-boue à l'avant, bien sûr. On a un dérailleur de la marque Microshift 9 vitesses. Alors ouais, on est sur un dérailleur de la marque Microshift. C'est vrai qu'en général, on est plutôt sur des dérailleurs de la marque Shimano. Ici, je vous l'ai dit, on est sur du haut de gamme. Autant niveau qualité que niveau prix, vous allez le voir, on va en parler dans quelques instants. Donc on a vraiment des choix de matériaux haut de gamme sur le vélo. On a un dérailleur à 9 vitesses, pas de plateau, mais je vous assure qu'avec 9 vitesses, inutile de rajouter un plateau. Au niveau de la lumière, parce que c'est vrai que je suis passé très vite fait dessus, faut savoir qu'elle éclaire vraiment très bien. Franchement, elle pète même, j'ai envie de dire, les mecs, c'est vraiment un feu xénon le bordel. Elle est toute petite, mais j'ai déjà vu des lumières bien plus grosses que ça au design, qui éclairaient bien moins que celle-ci. Donc là, vraiment, c'est une lumière LED qui éclaire très bien. Voilà, petite parenthèse parce que j'étais très vite passé sur les lumières. On a un porte-bagages, vous le voyez à l'arrière, qui va pouvoir supporter jusqu'à 25 kg. C'est marqué dessus, on peut pas le rater. Au niveau du guidon, la potence va pouvoir venir s'incliner selon votre confort d'utilisation. Si vous voulez plus un guidon droit, un guidon plus bas, plus en avant. Enfin voilà, moi personnellement, je l'ai mis comme ça, bien droit. Pour moi, je trouve que c'est parfait. Au niveau du poids, on est sur un vélo qui va faire 32 kg. Alors, c'est pas moins lourd qu'un fat bike en 20 pouces. Là, on est quand même en 27,5 pouces. Hein. Mais c'est pas plus lourd non plus. Voilà, ça équivaut à un fat bike en 20 pouces en fait. Donc, c'est une moyenne et franchement, voilà, une fois que vous êtes dessus, le poids, vous le sentez plus les mecs. Hein. On est sur une batterie de 14,4 ampères à 690 watts. Vous allez pouvoir venir la décrocher et puis bien sûr, la recharger chez vous tranquillement. Ensuite, il suffit de la clipser, vous tournez la clé, tac, et elle est lockée. D'ailleurs, vous pouvez directement recharger la batterie sur le vélo si vous le voulez, puisque vous avez une petite écoutille pour pouvoir le faire. Au niveau du moteur, on est sur un moteur Bafang M510 250 watts 48 volts. Le moteur se trouve dans le pédalier. Il est ni à l'arrière ni à l'avant. Donc voilà, c'est la première fois que je teste un vélo avec le moteur dans le pédalier. On est donc sur un capteur de couple, vous l'aurez compris, un vrai capteur de couple, puisque la dernière fois, un des derniers vélos qu'on avait testé, je pensais que c'était un capteur de couple, mais on était plus sur un capteur de vitesse avec le moteur à l'arrière. Alors ça marchait bien, franchement, c'était la première fois que je testais un capteur de vitesse, et donc le vélo fournissait un petit peu l'effort que vous lui donnez à la pédale. C'était pas non plus super précis, mais ça marchait relativement très bien. Ici, ça marche très très bien et c'est genre ultra précis. Dès lors que vous mettez le pied sur la pédale, il y a zéro délai en termes d'assistance électrique. Dès lors que vous commencez à appuyer, le vélo il part. Vous voulez faire un démarrage en côte avec ce vélo,
pas de souci les mecs, vous vous asseyez tranquille, vous donnez votre coup de pédale, il est parti tout de suite, pas de délai. Donc ça franchement, c'est super agréable et j'avais encore jamais testé ce type de vélo, vraiment. Donc très très agréable. On a une autonomie annoncée de 110 km. Alors ça après, c'est à voir, avec une batterie de 14,4 ampères, sachant qu'on est sur un moteur de 250 watts. C'est largement faisable avec un dérailleur à 9 vitesses en plus, donc vous avez de quoi bien forcer sur vos jambes. Donc en principe, oui, 110 km, c'est pas déconnant les mecs. Je vous avoue, je les ai pas fait jusqu'à présent, mais c'est pas déconnant. Au niveau du compteur tableau de bord, c'est très sobre mais très efficace. Vous avez un compteur digital qui va vous indiquer votre vitesse, vous avez le nombre de kilomètres pendant votre voyage, vous avez le nombre de kilomètres en tout avec le vélo, vous avez les différentes vitesses que vous allez pouvoir mettre avec le vélo, donc la neutre, c'est-à-dire sans aucune vitesse, là vous allez pédaler vous-même, de la vitesse 1 à 5 en assistance électrique, ou plutôt de la vitesse neutre à 5. Alors quand même, quelque chose que j'aimerais noter, d'ailleurs je vois que je ne l'ai pas monté sur le vélo, mais on a une sonnette. Alors, une sonnette mécanique, les mecs, hein. C'est vraiment, vous savez, le bout de plastique et la clochette qu'on retrouve dans tous les vélos. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez dommage pour son prix. On va en parler tout de suite. On est sur un vélo qui avoisine les 3000 euros, les mecs. Donc, ouais, un vélo qui avoisine les 3000 euros. Avec une sonnette mécanique comme un petit bout de plastique, là, celui qu'on retrouve dans tous les vélos. Donc ça, c'est dommage pour ce prix-là. Moi, j'aurais bien aimé une petite sonnette électronique, tu vois, ça aurait été cool. Bon, je chipote sur la sonnette, mais clairement... Voilà, on voit qu'on a affaire à un vélo de qualité, on a affaire à des éléments de qualité. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on aille donc faire un petit ride avec le vélo. Allez, c'est y part. Et regardez les mecs, quand je vous disais, ça part instant, mais vraiment, là, regardez. Je pédale, hop, c'est parti. C'est parti, mon gars. Putain, par contre, il est parti trop vite parce que là, je suis en vitesse 5. Voilà, je vais me mettre en vitesse 3, mais même en vitesse 1. Même, je suis en vitesse 1, les mecs. Regardez, là, je suis complètement à l'arrêt, totalement, je pédale. C'est parti, ça y est, il est en train de m'assister là. Bon, vitesse 1, doucement, mais je vais pas arrêter avec ça les mecs, mais regardez, là, je démarre, ça y est, il m'aide. Voilà, putain, c'est tellement agréable mon gars. Oh, alors, c'était donc ça le futur. Non, franchement, je vais essayer de pas en faire des caisses. Mais vraiment, le capteur de couple, les mecs, là, c'est la première fois que je teste, vraiment. Et alors, bah, c'est un game changer. Hein. Bon, ça glisse un petit peu dans le chemin, surtout qu'il a tombé beaucoup, beaucoup de pluie ces derniers temps. Par chez moi, laisse tomber. Hein. J'ai eu le droit à toutes les tempêtes. Hein. Domingo, Frédérico, je ne sais plus qui, Kiaran. Je les ai toutes mangées, les mecs. Et puis de plein fouet. Ah bah, sûr. Enfin bref, une petite accalmie pour aller faire un tour de vélo, ça fait pas de mal. Et puis quel tour de vélo, les mecs. Quel tour de vélo. Alors, je vous assure que retourner en arrière après ça, ça va être dur. Hein. Ça va être dur, les mecs. Mais franchement, par contre, si je devais enlever quelque chose sur le côté agréable au niveau conduite, ouais, c'est la selle. Ah, c'est la selle, mon gars. Ah bah, je veux dire, ils auraient pu mettre une planche de bois, hein, ça aurait été pareil. Hein. Vraiment, hein. Pourquoi pas une planche de bois ou tu vois, un bout de tôle ou quelque chose de bien raide, tu vois. Voilà. Non, vraiment, la selle, les mecs. Elle est trop raide, c'est trop raide. C'est pas fait pour mon petit fessier, ça. Il apprécie pas. Moi, il a besoin de quelque chose de doux et moelleux, tu vois. Ça, c'est beaucoup trop raide, la selle. Mais voilà, mis à part ça, les mecs, je chipote. Hein. Je chipote, les mecs, hein, parce que franchement, oh là là, regardez-moi ça. C'est agréable. Et puis, ah oui, il faut que je vous parle de ça, les mecs. La précision, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que, regardez, là... Je suis vitesse 3, je suis en assistance vitesse 3. Et c'est ultra précis, c'est-à-dire que le vélo va m'assister selon la puissance que je mets sur la pédale. Si j'appuie plus vite, il va plus vite. Il va plus vite avec moi. Si je ralentis, il ralentit tout de suite et c'est instant. Tu vois, il n'y a pas un moment où ça continue de tourner comme les vélos basiques. Enfin, tu vois, voilà, c'est vraiment instant. Ça y est, je me mets à parler comme un bourge, mon gars. Comme les vélos basiques, là, on n'est plus de la même société. Non, mais sérieux, je dis ça, mais je vais retourner à mon vélo la prochaine fois. Et franchement, il est très bien. Regardez ça. Si je veux pédaler à 5 km/h, là, je suis à 5, 5, 6. Ben, je peux. J'accélère un tout petit peu si je veux. C'est d'une précision, les mecs, incomparable avec tout ce qu'on a testé. Incomparable. Et là, j'appuie, là. Ben là, mon gars, je suis parti. Hein. Et je suis de vitesse 3, les mecs, hein. Je suis de vitesse 3. Alors, d'ailleurs, ça me permet de vous parler d'une chose dont j'ai oublié dans la première partie de la vidéo.
c'est que le vélo ne va pas à plus de 25 km/h. Donc certifié pour nous en France et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de poignée d'accélération ou quoi. Voilà. Maintenant, la grande différence, les mecs, avec un capteur de couple et avec un vélo que j'appellerais maintenant classique, tu vois. Voilà, ça y est, le mec, il appelle les autres vélos classiques. Mais c'est vrai, la grande différence entre le capteur de couple et les vélos classiques, ça va être au niveau de la puissance d'assistance électrique. C'est pas pareil. Par exemple, je prends l'exemple de la montée de la mort, les mecs. L'exemple de la montée de la mort qui se trouve juste à côté, que je vous fais le test avec tous les vélos. Et ben pour la montée de la mort, j'en ai un petit peu chié quand même. Mais si vous voulez faire une grosse montée avec ce vélo, va falloir pédaler, les mecs. Va falloir pédaler parce que plus vous allez pédaler, plus il va vous aider. Tu vois ? Ce qu'il y a, c'est qu'avec un vélo classique, si tu pédales comme un flamant rose dans une côte, lui, il va tout le temps envoyer la patate sur son moteur. Tu vois ? Donc, quoi qu'il arrive, il va t'emmener. Alors que lui, si tu pédales, tu vois, voyez par exemple, là je suis dans une mini montée, je pédale comme un flamant rose. Il m'emmène, tu vois, il m'aide, mais il m'aide tout doucement. Voilà, c'est ça la différence. C'est que lui, si vous pédalez comme un flamant rose, les mecs, il y a quelqu'un la dernière fois, il m'a dit, j'ai rarement vu un flamant rose sur un vélo. Mais je sors cette expression comme ça, mais ouais, bref, vous comprenez le délire. Si vous pédalez comme un flamant rose avec lui, il va vous aider vraiment tout doucement. Alors que si vous appuyez, voilà, pas de souci mon gars. Voilà, là vous allez pouvoir monter des côtes. Mais du coup, en montée, ça demande un peu plus d'effort qu'un vélo basique. Alors attention, hein, un peu plus d'effort. Tout est relatif, les mecs. Hein, vraiment, c'est chill. Hein. Mais par contre, ouais, pour rouler, c'est ultra chill. Vraiment. Bon, bah, j'aurai la gueule embuée sur la vidéo, les mecs. Voilà, c'est pas grave, mais ça, c'est chiant. Hein. Si je m'arrête, la buée, elle redescend tout doucement. Ouais, je vais redémarrer, ça va refaire de la buée. Allez, va, c'est pas grave. Ça fera de la pub pour Insta360. Donc, les mecs, ouais, je vous disais qu'il y a une bagnole derrière moi, je vais le laisser doubler. Que je me mette vitesse 2, vitesse 3, vitesse 1, ça va m'assister pareil. Le truc, ça va commencer à plus m'assister lorsque je vais commencer à plus pédaler. Là, si je pédale, là, gros, là, je suis parti. Hein. Là, quand je pédale, mon gars, le vélo, il est parti. Voilà. Ouais, franchement, ouais, c'est super agréable. C'est super agréable. Je suis à 30-35 km/h là. Mais bon, là, je veux dire, l'assistance électrique, elle tourne plus à cette vitesse, tu vois. Lui, il t'aide jusqu'à 25, ce qui est déjà ce qui est propre. Alors, en fait, non, je pense qu'il doit t'aider jusqu'à 26-27. Parce que là, vous voyez, je suis à 27. Et je sens quand même 27-30. Et je sens quand même un petit truc dans le pédalier, tu vois. J'avais encore jamais testé un vélo comme ça. Alors, je le rappelle. Mais on est quand même sur un vélo qui avoisine les 3000 euros, les mecs. Hein. Les 3000 balles. Hein. Bon, après, il faut tout le temps voir s'il y a des promotions ou quoi. Faut checker. Faut surveiller et tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un vélo comme ça... tu t'en vas le chercher chez Decathlon ou chez Intersport. Puis frérot, ça coûte 4-5 000 euros. 4-5 000 euros un vélo comme ça. Bah capteur de couple et tout. Pff, bah laisse tomber toi. Quand je vois que déjà chez Intersport, Decathlon, des vélos avec les moteurs à l'arrière, hein, les trucs classiques. Hein, des railleurs Shimano, moteurs à l'arrière, machin. Wesh. Ah bah laisse tomber gros. Ah bah c'est mort. C'est truc de ouf. Ouais. En fait, je vous explique, les mecs, c'est le chemin que je prends d'habitude. C'est par là, normalement, que je vais faire du vélo. Il n'y a pas d'eau. Mais là, il y a plein d'eau, gros. Bah ouais, ouais, je vous dis, il y a des inondations chez moi. Ouais, c'est un truc de ouf. Bah par contre, laisse tomber, mon gars. Je vais faire demi-tour. Voilà, ça sert à rien. Putain, comment que ça part, mon gars. Bah ouais, laisse tomber, je suis en vitesse 5, là. Hey, il est nerveux en vitesse 5, hein, vite fait. Hein. Laisse tomber, mon gars. C'est totalement inondé par chez moi. C'est un truc de ouf. Et puis, comme je suis en bord de mer, ça arrange pas les choses. Avec les grandes marées, tout ça, les tempêtes qu'il y a eu là, pouah, ça a secoué dans le coin. Oh là là, les dégâts de la tempête, les mecs, il y a carrément juste derrière moi, il y a un poteau qui est couché. Mais genre un gros poteau. Vous voyez bien ce qu'il y a derrière moi là, les gros pylônes en béton et tout, électriques. Il est couché, les câbles électriques, ils sont par terre et tout. Je vous jure, ça a fait pas mal de dégâts dans le coin. Bref, les mecs, franchement... Ce petit Urban Glide Van Power, c'est vraiment un bonheur. Je ne saurais pas quoi vous dire de mieux. C'est vraiment un bonheur au niveau de la conduite et tout.
Je n'ai encore jamais vu un vélo aussi chill que celui-là à conduire. Là, par contre, tu vois, regarde. Là, voilà, là, c'est le bon exemple. Je suis dans une montée, tu vois. Si je continue à pédaler chill, regarde gros, je vais presque m'arrêter, tu vois. Alors qu'en fait, voilà, si je veux que ça monte, il faut que j'appuie sur la pédale. Voilà, et là, il n'y a pas de souci. Là, il m'aide, tu vois. Mais il faut que j'appuie sur la pédale. Si je continue à chiller tranquille, le vélo, au bout d'un moment, il s'arrête gros. Tu vois, lui, il m'aide pas. Alors, ça va qu'il y a les vitesses, tu vois. Et là, tu mets la vitesse, gros, voilà. Tu peux pédaler tranquille et puis tu as l'assistance électrique qui se met en route. Mais vous voyez ce que je veux vous dire par rapport à ce moteur dans le pédalier, ce capteur de couple? C'est pas pareil qu'un vélo où tu vas pédaler, le moteur va se lancer uniformément, tu vois. Ici, clairement, ça va t'aider selon l'effort que tu fournis à la pédale. Et c'est pas plus mal en vrai, hein. Mais plus tu fournis d'effort à la pédale, plus lui il va avancer. Voilà, là mon gars, au bout d'un moment, tu as l'impression qu'il s'envole le truc. Voilà, et tu ralentis, il ralentit avec toi et c'est instantané. Bon, je vais essayer de pas en faire des caisses par rapport à ça, mais il est vraiment cool, les mecs. Non, franchement, un vélo comme ça, c'est 100% validé. Voilà, juste là, tout de suite, le truc que je changerais, c'est la selle obligatoire. Voilà, là, regardez, j'ai déjà mal au cul. J'ai même pas fait 10 bornes avec le vélo, j'ai déjà mal au cul, mon gars. La selle a changé, en tout cas, pour mon confort personnel, moi, je trouve. Et puis, bon, après, je chipote, hein, mais voilà, c'est juste la sonnerie, quoi. Voilà, la petite sonnette... Une petite sonnette électronique, ça aurait été sympa. Bon, c'est une sonnette mécanique. Tu te tais, oui. C'est une sonnette mécanique que je n'ai même pas montée sur le vélo au final. J'ai oublié de la monter, je crois qu'elle est restée à la maison. Bah, c'est sûr même. Bon, en tout cas, les gars, les filles, j'espère que cette petite virée vous aura plu. Je vous aurai un petit peu fait découvrir les dégâts dans le coin de l'île d'Oléron. Et voilà, vous voyez que ici, la tempête. Bah, elle n'a pas plaisanté, mon gars. Elle a tapé sévère. Alors ça, plus les coupures d'électricité que j'ai eues et tout, je vous laisse tomber. La dernière fois, c'était Chiara, après c'était Domingo, hier c'était Frederico, demain, je sais pas, ce sera Enrico. Voilà, on s'en sort plus, mon gars. Des tempêtes tous les jours ici. Et bien sûr, si le vélo Urban Ultra Glide de chez Van Power vous intéresse, bien sûr, comme d'hab, je vous mets un petit lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker ça, si des fois il y a des promotions ou quoi, voilà. Si même moi j'ai des promotions, code promo, je vous mettrai tout ça dans la description également. En repartant, bien sûr, si vous voulez mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao! Là, par exemple, regardez, je suis dans une côte, j'appuie. J'appuie sur la pédale, il part tout de suite, mon gars. Ouais, c'est un truc de ouf. Non, franchement, c'est trop bien.